Allez, salut, nouveau test de matériel. Donc, si vous me suivez un peu, vous avez vu que sur mes vidéos, le son, c'était pas ma qualité première. Donc, certainement dû au matériel. J'avais un G430. Hop. Voilà, il ira moins bien. G430, donc chez Logitech. Là, j'ai regardé un peu les avis sur internet. On part sur un HyperX Cloud 2. On va voir ce que ça donne. Les retours sont assez bons. Je connais pas énormément en micro, mais c'est vrai que là, là c'était plus possible, clairement. Je pense que c'était surtout la, comment dirais-je, l'isolation, la réduction du bruit qui était vraiment pas au top. Donc on va voir avec ça ce que ça dit déjà au niveau l'esthétique. Je m'en fous complètement. Pas ce qui m'importe. Alors je verrai par la suite comment je vais pouvoir le mettre avec le HTC, enfin l'Oculus Rift. On verra bien. Hop, voilà, petite boîte toute simple. Alors visiblement sur ce que j'ai vu c'est compatible. Compatible que je n'y dis pas de bêtises. Donc c'est 7.1. Il y a une carte USB intégrée pour gérer le son. Et c'est compatible, il me semble que j'avais vu PS4. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Oui, ça doit être compatible PS4. Ça doit être ça. Bref. La petite boîte. Ça. Le branchement, bien sûr, on s'en fout. Hop. Okay. Bon, le package est quand même assez sympa. Même si c'est un casque, on s'en fout. Donc le micro, qui j'espère va me faire du bien. Surtout pour vos oreilles. Ici un adaptateur, pareil, peu importe. Ici des mousses supplémentaires mais en velours, parce qu'à la base c'est en cuir ou simili-cuir, je sais pas. Hop. Ah oui, il est léger. Ouais. Ouais. Tout en cuir, j'espère que le focus va se faire. Vraiment bien. Le câble il n'est pas excessivement long. Je crois que c'est tout. Non, ouais, une petite qu'est-ce que c'est, ouais, une petite housse de transport. Ah, avec bah oui forcément la télécommande. Suis-je bête, la télécommande qui permet de régler donc le son ici, le son du casque, le son du micro et d'activer ou désactiver le 7.1. Donc de ce que j'ai lu, le 7.1 c'est plutôt un gadget. Parce qu'il y avait le Cloud 1 qui ne le faisait pas, évidemment c'était pas trop grave. Donc bon, de toute façon je vais revendre l'autre casque ou la utiliser pour la PS4, on verra bien. Et puis on va voir ce que ça donne. Si je peux, je vous fais un essai micro. Et puis on voit ce que ça dit. Alors donc, comme prévu, là je vous fais un test son avec le Logitech G430 donc pour voir un peu la différence avec le nouveau HyperX. Donc je pense que ça va changer, hein. Là j'ai pas encore fait d'essai. Très honnêtement, je pense que sur celui-ci, il n'y a pas de réduction de bruit, ou alors elle est minime. Donc de prime abord comme ça, rien que le port du casque, il est meilleur sur l'autre. Il est plus léger, le fait que ce soit du cuir ou du simili-cuir, c'est plus agréable. Donc voilà pour le premier test, on passe à l'HyperX. Voilà, donc là je suis passé sur le HyperX Cloud 2. Donc juste un essai pour voir si on voit la différence. Donc je me répète, mais sur le port du casque, c'est bien plus agréable. Maintenant, à voir ce que ça va donner in-game, puisque... C'est vrai que c'était le plus gros reproche que j'avais à faire sur l'ancien. Le son n'était pas bon, il n'y avait pas de réduction de bruit. Donc on va voir, on verra bien sur mes prochaines vidéos ce que ça donne. Et je compte sur vous pour me faire un retour. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, bonne journée.